Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages du mois de décembre 2021. On va faire un tirage général pour tout le mois de décembre. On va regarder quel est le signe qui sera tiré au sort aujourd'hui. Donc, je ne ferai pas par quinzaine parce que j'ai fait un petit sondage donc, sur YouTube. Et ça me donne quand même comme réponse que vous appréciez plus les tirages par quinzaine, du 1er au 15, 15 au 30, que je ferai donc pour l'année prochaine, 2022. Ce mois de décembre, je le commence maintenant parce que tous les tirages généraux plus l'amour soient finis pour le début décembre. Et ensuite, durant le mois, je ferai les tirages spéciaux pour la fin d'année, entre Noël et Nouvel An, il y aura quelque chose de spécial. Donc, il y aura quand même un peu de supplément, on va dire, aussi en deux parties ce mois de décembre. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, on va regarder. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder le signe pour aujourd'hui, pour le mois de décembre. Ah, ben non, ça c'est le jour. Ça c'est votre carte du jour, pardon. Les signes sont là. Alors, parce que en fait, le jour, je vous donnerai comme conseil à la fin, qui a un message pour vous. Alors, quel signe pour cette journée? Les scorpions, voilà. Ça, ce sera un message les jours pour la fin du tirage. Si par exemple le lundi j'avais une carte pour vous, si c'était lundi que je faisais votre tirage, pardon, vous avez ici un message. Donc on va regarder à la fin, je vous donnerai pour le vendredi, Friday, et je vous montrerai votre message avec une carte conseil des fées. Alors restez bien jusqu'au bout. On va faire un tirage général donc avec des cartes du tarot psychique, message angélique. Pour les énergies et ensuite je vais faire un tirage avec l'oracle du sixième sens couvert avec le dixième oracle et puis du sentimental, un petit tirage sentimental parce que je ferai par la suite un tirage développé. Donc Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, c'est votre tirage. Regardez aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire, comme toujours. Bienvenue sur les guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner, comme je dis toujours, c'est gratuit pour vous. Vous avez juste à cliquer aussi la petite cloche en haut à droite pour recevoir toutes les vidéos qui sortent. Et si vous désirez une guidance personnelle, vous m'écrivez un message sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds 2-3 jours, donc n'hésitez pas. On va tout de suite demander les énergies pour les scorpions en décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on va nous dire pour les scorpions pour le mois de décembre 2021? Scorpion, décembre 2021. Scorpion, décembre 2021. Quel message pour les scorpions en décembre 2021? Merci mes guides. Scorpion, décembre 2021. Ok, il n'y a pas de carte qui a sauté. On va quand même regarder. Alors, la coupe. Première partie, elle nous montre qu'il serait important d'avoir des fondations fermes. Il y a le chakra ici de la racine. Cette carte, elle est assez sympa. Chakra racine, l'homme aussi solide, musclé. La montagne solide, hein, ces trois triangles. La trinité. On peut parler aussi de ça. C'est surtout un message pour nous dire qu'il faudra être bien ancré. C'est celle de la carte d'ancrage. Hein, on coupe. Pourquoi? Il y aura de nouveau de la tentation. Oh là là. Les scorpions, hein, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Beaucoup, beaucoup de choses, toujours au niveau sentimental, qui sortent. Ou des tentations. Oui, il y a souvent des ex qui reviennent. Ces derniers mois, pratiquement toujours comme ça. Vous avez affaire à des tentations, à des personnes qui reviennent vers vous, à des gens qui veulent vous inciter à aller vers autre chose, ou vous qui incitez des personnes, ou qui allez vers des directions qu'il ne vous faut pas. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, soyez ferme, vu que j'ai vu un changement qui s'est fait opérer, qui s'opère hein, depuis un petit mois. Où vous voulez rester dans une ligne droite et plus subir et continuer dans une direction qui est malsaine, entre guillemets, persévérer dans cette direction. Donc là, la ferme fondation, c'est rester sur ces acquis derniers que vous avez pu acquérir.
On va prendre deux cartes pour votre mois de décembre. Alors, les scorpions pour le mois de décembre. Hop. Ensuite, deux cartes des maîtres, des guides. Alors, deux choses. Perte émotionnelle. Bon, on quitte quelque chose du passé. Pour moi, c'est un petit peu normal, hein. Il y a une fin au niveau émotionnel. Ça peut être soit vous aviez quelqu'un, mais vous avez décidé de quitter. Moi, je suis une amoureuse, un amour passionnel. Il y a une passion, quelque chose qui est pour beaucoup de scorpions présente. Hein. Il y a peut-être cette séparation, cette décision de dire maintenant ça suffit, je veux un foyer et une relation fixe et stable pour la plupart. Il y a quelque chose qui tournait en rond quand même. On voit sur cette carte hein, que vous répétiez depuis longtemps et qui devrait se terminer, mais qui pourrait quand même vous faire un mal au cœur, hein, si on veut. Bon, c'est normal, hein. Mais ça nous permet d'aller de l'avant. Hein. C'est plus important. Et puis, on nous dit que vous allez célébrer quelque chose, vous allez fêter une réussite. Hein. Alors, une réussite d'avoir passé un stade différent dans ce domaine, on verra. Ou autre chose, on va voir. Il y a des réjouissances. Bon, c'est Noël aussi, mais il y a des réjouissances. Les célébrations, c'est des réussites. On va voir pour les scorpions ici, pour les messages angéliques. Décembre 2021, qu'est-ce qu'on a comme message pour les scorpions? Décembre. Scorpion, décembre 2021. Ok. Alors, dans le futur proche, message pour les scorpions, décembre 2021. Dans le futur proche, il y a quelque chose qui va se passer. Futur proche. Donc, quelque chose de pas trop lointain. Message pour les scorpions en décembre 2021. Premier message pour vous. Notez bien hein, ces informations. Et un autre message. Vous allez avoir des signes. Vous allez avoir des signes, donc aujourd'hui on est le 11-11, c'est un jour fort pour lequel je fais votre tirage. Les scorpions, il y a aussi une autre information qui peut vous parler, c'est 8 semaines ou 8 mois, donc 2 mois quelque part, hein. 8 semaines ou 8 mois. Ça c'est des messages qui parfois peuvent parler, ça va tout de suite résonner, il y en a qui écoutent juste ces mois et ils savent tout de suite de quoi ça parle. 8 semaines, 8 mois. Bon, je vous donne l'information. La deuxième carte des messages angéliques nous parle de regarder un signe ou observer des signes qui seront donnés durant ce mois de décembre. Là, il y a la foudre, ça veut dire des messages qui viennent de l'univers. C'est des rencontres importantes, c'est un retournement de situation. Les signes, c'est des symboles, des animaux, des messages, une lecture d'un livre, la radio, des messages qui vont être forts, qui vont vous marquer pour quelque chose qui vous apportera des informations. Donc, voilà. Voilà un petit peu les messages pour votre guidance. Du départ, on va voir la suite, surtout ici avec l'oracle du sixième sens. Quelque chose va se passer. Vous allez célébrer des choses. Quelque chose va se passer dans le futur proche qui va vous permettre de célébrer. Une situation, est-ce que c'est justement l'avancement au niveau sentimental? On va voir tout ça. Scorpion, décembre 2021. Scorpion, décembre 2021, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, il voulait partir. Hein. La première carte, elle est partie ici. Ok. Scorpion. Le mois de décembre 2021, scorpion. Bon, 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 oui. Scorpion. Décembre 2021, qu'est-ce qu'on a comme message pour les scorpions? Décembre 2021. Quel message pour les scorpions? Alors, la première ligne, elle n'est pas évidente. Je ne sais pas si vous voyez les cartes depuis le bonheur. C'est quand même la carte qui est sortie en premier. Elle est tombée ici. Ensuite, elles sont tombées en groupe, mais on voit effectivement des difficultés. Il y a des difficultés, des dangers, il y a eu du mensonge. Ça, c'est vraiment tout ce que j'ai vu au niveau, beaucoup, dans les tirages des scorpions. Est-ce que ça s'est passé dans votre couple, autour de votre couple, avec un amant, une maîtresse, une tierce personne, peut-être aussi. Je ne veux pas rester fixée sur les tiers, mais aussi des tierces personnes qui se mêlent de votre vie. Depuis un bon moment où vous devez vraiment faire le ménage.
Là, on dit que vous avez traversé des difficultés, que ça a amené du danger, que ça, c'est un échec. Mais la première carte qui est sortie, c'est le bonheur. Donc moi, je dirais, l'arrivée de ce mois de décembre va vous apporter le soleil, va vous apporter un éclaircissement sur cette situation difficile, va apporter de la lumière sur cette difficulté pour moi qui est dépassée. Je sais que je vous l'ai dit que ça s'était réglé, hein. Donc, c'est peut-être présent. On nous dit, ça s'illumine, ça s'éclaire, ça se règle. Je vais prendre une coupe. Alors, la grossesse. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, effectivement, pour vous. C'est en train de se préparer. C'est pas encore là. S'il y a eu cette personne, moi j'ai l'impression que c'est une femme, hein, que je ressentais toujours, qui était là autour de vous. Mais ça peut être aussi dans le travail. Essayez de le mettre à votre situation, comme toujours. Mais on voit un début, pas une pro, ouais, il y a du retard. Ça dure, je vous ai dit, depuis longtemps, longtemps, longtemps. Il y a quelque chose qui se prépare de nouveau, parce qu'il vous faut régler cette histoire d'intervention de quelqu'un de tiers, de néfaste dans votre vie, qui vous empêche d'être vous-même, de faire ce que vous voulez, ou de vivre votre vie amoureuse. Pour moi, c'est toujours été une femme. Il y a quelque chose qui se prépare, il y a ce bonheur qui arrive, qui éclaire la situation en décembre. Donc, il arrive. C'est pas encore prêt parce que vous devez régler cette situation. Mais ça va arriver. C'est en préparation, c'est en gestation. Donc, les scorpions, pour le mois de décembre 2021. Et on va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Ensuite, je vais recouvrir le jeu avec le 10 oracle. On aura beaucoup plus de précision. Chose au niveau de la famille, la jalousie autour de la famille, de votre couple, hein, quand même. Oui, donc moi j'espère et je prie, et si je suis dans le juste par rapport à ceux qui ont cette personne qui intervient dans votre vie, hein, vous n'arrivez pas à vous débarrasser et qui vous crée des ennuis, elle crée des ennuis pour moi dans votre foyer, dans votre famille, si vous êtes avec quelqu'un, à votre propre personne, si vous êtes seul. Ça crée de la jalousie parce que moi je sens qu'il y a quelque chose au niveau, ça, même si c'est pas une tierce amoureuse, hein, il part de la jalousie d'une sœur, d'une mère, d'un père, d'un frère. Bon, j'ai eu la femme qui ressort quand même beaucoup. On me dit que cette situation vous rendait malade, vraiment. Ça vous rend malade, donc il faut vraiment partir. Maintenant c'est le moment de vous éloigner de cette situation. On va confirmer avec les cartes, mais là il y a un éloignement. Et je dirais même carrément une coupure. Pour moi, ça doit se terminer. Ça vous rend vraiment mal. Là, ce soit dans 2 mois, dans 8 mois, je ne sais pas. Comment gérer la situation? Comment vous allez la gérer? Peut-être qu'elle est déjà réglée, peut-être pas encore. Mais ça attisait la jalousie. Hein? Quelqu'un qui est jaloux de vous, de votre couple, de votre ménage, de votre foyer, de votre bonheur, et qui crée beaucoup de problématiques. Ça peut créer des dangers de séparation du couple, des dangers dans le ménage. Donc, vous avez un éloignement de ça par rapport à ce malaise que ça crée en vous en ce mois de décembre pour aller vers le bonheur. Hein? Et comme c'est en préparation, la nouvelle vie qui vous attend va se faire peut-être en janvier ou fin d'année. Parce que moi, il y a quand même la réponse positive, l'éloignement. Mais sinon, c'est quand même un tableau pas évident. On va compléter, là, je vais voir avec le 10 oracle qui nous amène des belles réponses. On va demander ici pour les scorpions. Décembre 2021. Quel message Scorpion décembre 2021. Scorpion décembre 2021. Scorpion décembre 2021. Scorpion décembre 2021. J'étale les cartes et je vais compléter chacune d'elles avec une carte supplémentaire. Alors, on va prendre une carte sur le bonheur, une carte sur l'échec.
Une carte supplémentaire sur le danger. Une carte sur le mensonge. Une carte sur les difficultés. Une carte sur l'éloignement. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit le message du dessous. Donc ça, j'adore avec ces petites cartes. Message sur la maladie. Sur la maison, le foyer, le soi. Sur la famille. Et sur la jalousie. Ok. Donc, on va voir plus en détail de quoi on nous parle là. Mais effectivement, il y a une certaine perte émotionnelle. Mais ce n'est pas grave. Vous fêtez. C'est plus important d'être dans la fête, dans les réjouissances, dans une certaine libération. Des signes vont vous guider peut-être pour avoir un éclaircissement sur qui ou sur la situation ou comment agir. Peut-être que vous n'arriviez pas hein, à vous séparer de cette personne. Et on nous dit que ça se fera tout bientôt. C'est pour ça que je vous dis d'ici la fin de l'année, fin décembre, ça va être vraiment beaucoup mieux. Libéré. On va regarder ce qu'il y a sur le bonheur. Le bonheur, il y a le jardin. Le jardin, c'est un lieu où on se rencontre. Donc, bonheur à la maison, bonheur pour la famille, pour votre couple. Bonheur dans un lieu où vous vous retrouvez avec beaucoup de personnes si ça concerne le travail. Bonheur dans... Oui, un bonheur retrouvé au niveau d'un lieu où il y a du monde. Ok, on va voir si ça concerne la famille. Ça parle du jardin public, mais c'est plus là où il y a du monde, où on se rencontre. Donc, ça peut être effectivement à la maison. Bonheur retrouvé dans le foyer. Alors, sur l'échec, on a la lune. Et il y a eu des choses cachées. Il y a eu des choses cachées. Pour moi, c'était des relations... Il y a eu des relations triangulaires. Il y a eu beaucoup de tromperies. Il y a eu... il y a eu effectivement la carte de... qui ressortait souvent, qui était l'adultère. Là, quand j'ai la lune sur l'échec, pour moi, ça me parle de relations cachées. Ok. Sur le danger, qu'est-ce qu'on a? Il y a eu du danger, effectivement, dans les relations sentimentales, ça ressort au niveau d'un lien. Hein. Vous pouvez me mettre en commentaire si ça concerne un lien d'amour ou un lien d'une personne extérieure. Par exemple, comme je vous ai dit, de la famille, d'un frère, au niveau du travail. Il y a quelqu'un qui peut vous jalouser au niveau du travail et qui vous bousille carrément votre vie. Hein. Il y a ça depuis pas mal de temps. Là, il faut nettoyer tout ça. Je suis assez juste dans mes tirages vu qu'ils se suivent de mois en mois. Il y a une lignée. Hein. Donc, je suis toujours très surprise. Là, je recommence les tirages de décembre jusqu'à 300 vues. Bon, ben, on va laisser monter, mais espérons que ça marche. Mais je sais que ça ne marche pas pour une certaine raison. C'est les blocages de magie, malheureusement, sur ma page. Et on n'arrive pas à s'en défaire. Bon, on a effectivement du danger sur la vie de familiale ou sur votre couple. Le mensonge nous parle de commencement ou de naissance. Alors, on peut avoir de la jalousie par rapport à un début d'une histoire d'amour. Il y a eu de la jalousie sur une naissance si vous êtes avec quelqu'un et vous avez eu un enfant. Moi, je pense qu'ici, il y a eu des choses qui ont été cachées par rapport à un démarrage de quelque chose. Il y a eu, dans votre vie, vous avez commencé quelque chose, ça a amené des mensonges. Vous avez commencé une relation, par exemple, triangulaire, et ça a commencé à cacher des choses, on a commencé à mentir, on a commencé à ne pas dire les choses. Vraiment, la carte du mensonge, hein. On paraît, voilà, devant, on est bien, mais il y a une situation qui était naissante. Mais tout de suite, il y a eu des mensonges dans cette histoire. C'est drôle, il y a l'enfant à côté. Alors, est-ce qu'il y a eu peut-être pour certains une histoire de grossesse? On a menti à la personne, on voulait un enfant, d'autres pas, l'autre pas. La femme. Il y a une situation ici possible vraiment au niveau de la naissance d'un enfant. Ou une grossesse indésirable. Il y a des difficultés par rapport à un enfant, par rapport à une grossesse. Où vous vouliez avoir un enfant avec votre femme, ça n'a pas marché, vous avez été voir une maîtresse pour avoir un enfant, si vous êtes un homme. Ou la même chose pour une femme. Essayez de voir, hein, difficulté par rapport à vos enfants, peut-être qui n'ont pas été acceptés par la famille. Moi, je sens ouais, quelque chose autour de peut-être avoir une famille ou quelqu'un qui a créé des, qui vous a amené des difficultés parce que vous avez des enfants, parce qu'il y a une naissance qui est arrivée, quelque chose comme ça.
Vous vous éloignez de quoi? Bah, des difficultés. Hein. La tour, c'est les grandes difficultés à surmonter. Vous vous éloignez. On quitte ces grandes tours, ces grandes difficultés. C'est souvent un peu comme la montagne. D'accord? On quitte ça, ce qui est bien. La maladie. Hein. La maladie nous parle de fidélité. Alors, il y a eu pour moi de l'infidélité. Lune, relation cachée, échec, infidélité qui vous rend malade. Eh oui. Sur la maison, eh bien, il y a la montagne, hein, à nouveau. Sur la maison, on nous dit que ça va créer des difficultés. Ça a créé des difficultés énormes par rapport à votre foyer, ces histoires de cachotterie, de mensonges, d'enfants et de jalousie, de tierces. Il y a des nouvelles où vous allez apprendre certaines choses par un papier, par des nouvelles, par des courriers, par une lettre, par un message, par SMS, par WhatsApp, par Facebook, concernant peut-être cette relation extra-conjugale ou concernant un message que la personne part ou que vous, vous voulez arrêter avec cette relation. Il y a quelque chose comme ça. Il y aura des messages écrits concernant votre famille, peut-être pour la protéger. Et justement, avec le livre ouvert, vous allez apprendre des choses. Avec ces deux dernières cartes, vous allez apprendre des choses sur votre famille et sur la jalousie. Il y a bien quelqu'un qui vous jalouse, qui vous en veut pour quelque chose, hein. Les scorpions, c'est certain, certain, certain. Là, ça sort, fort, fort, fort. Vous allez apprendre ces choses et je pense que grâce au fait que vous avez la vérité, je vous ai dit tout de suite avec la lumière. Sur votre famille, hein, sur un lieu ou dans un lieu public, vous allez apprendre ça, ou dans un lieu où vous parlez avec d'autres personnes. La jalousie, les gens ici, il y en a plusieurs qui parlent. Avec le livre ouvert, on apprend qu'il y a eu de la jalousie, on apprend qui l'a fait, pourquoi, on apprend des nouvelles, et la lettre, la même chose. Donc vous allez apprendre des nouvelles concernant cette situation que vous allez devoir régler parce qu'elle crée beaucoup trop de problèmes sur votre foyer, sur ce que vous voulez. En tout cas, pour beaucoup de scorpions qui sont en couple ou avec des enfants ou remariés, etc., il y a un élément tiers qui crée un problème, qui est vraiment de la jalousie. Hein. Ouais. Alors, on va voir si ça ressort dans le sentimental. Les scorpions pour le mois de décembre 2021. Scorpions pour le mois de décembre. 2021 en amour, Scorpion, décembre 2021 en amour. Alors, effectivement, il y a des choses, il y a de l'impureté, des choses négatives. On doit nettoyer, on doit purifier, on doit protéger votre couple. Très clair, hein? Voyez? Il y a quelque chose qui est, bah c'est la première carte, c'est exactement ça. C'est tout ce que je viens de vous dire. Protégez votre couple. Les scorpions en amour, décembre 2021. N'hésitez pas vraiment de vous abonner, de partager, de liker si vous aimez mes vidéos et si elles vous parlent. Alors, en amour, scorpion en décembre, on va voir ce qui se passe. Donc là, on parle quand même beaucoup de l'amour ou d'un lien extérieur. Il y aura un renouveau. Ben, c'est normal parce que là, il y a une perte. Hein. On coupe avec tout ça. Nouvelle. Ouais, il y aura un renouveau au niveau amoureux parce que vous finissez cette histoire. Vous fermez un livre. Ça sortait souvent. Hein. Vous fermez ce livre avec cette femme. Vous allez apprendre des choses. Vous n'allez plus supporter cette histoire. Vous allez fermer une histoire, tourner la page et un nouveau chapitre dans votre vie en décembre. Super, enfin. Il y a eu des problèmes dans le couple, ça a amené de la lassitude. Et on vous a fait de la magie, d'accord. Alors, il y a eu certainement une personne jalouse qui vous a bloqué, qui vous a fait de la magie, qui vous a empêché d'être heureux depuis des mois que ça dure. Là, c'est attaque de magie, énergie toxique, protégez-vous. Encore une fois, protégez votre couple. Et je le dis depuis le début, j'ai ouvert la vidéo. Je vous ai dit, je sens que les scorpions, vous avez des problèmes de tierces dans votre vie sentimentale. Donc, il y a effectivement ces deux cartes qui nous disent qu'il faut protéger votre vie à deux, votre famille, vos enfants. Sinon, c'est vous, si vous êtes tout seul, d'une personne toxique. Voilà.
Il y a une protection et ça va se libérer. Parce que vous allez voir ce qu'il y a de la magie. Ce problème de magie, il sort dans cette carte, j'aime bien. Parce que ça ne sort pas dans beaucoup de tirages amoureux. Il vous faudra peut-être faire appel à quelqu'un d'extérieur pour vous libérer d'un blocage qu'on fait sur vous si on n'arrive pas à s'en sortir. Moi, j'ai des magnétiseurs qui travaillent pour moi parce qu'on a aussi fait de la magie sur ma chaîne YouTube. Donc, les vues ne montent pas. Je vous le dis pour ceux qui sont nouveaux. Ce qui est très malheureux d'une femme de YouTube qui est jalouse et on n'arrive pas à s'en débarrasser parce que c'est de la magie. J'ai un magnétiseur, donc s'il y a certains qui ont ce problème, vous pouvez m'écrire en mail ou en vidéo sous le commentaire et je vous donnerai les références de la personne qui peut vous contacter. Elle ne prend pas beaucoup, mais elle est très aidante. Conseil, donc le vendredi. On nous dit, il faut finaliser quelque chose. On est justement dans ce qu'on est en train de dire. Laissez partir cette histoire. Donc, il faut plus s'en occuper. Il faudra lâcher prise. Il faudra finaliser quelque chose. Donc, ça parle très bien pour vous. Donc, le message du jour et le message des fées pour les scorpions décembre 2021. Quel message pour les scorpions décembre 2021? Message pour les scorpions décembre 2021. Et on va voir qu'est-ce qu'on a. On nous dit c'est le parfait moment. Donc cette fin d'année, vu qu'il y a plein de réglages karmiques, les personnes vont se ramasser, celles qui font du mal. Vous allez vous en sortir, il y aura un jugement qui va vous relever. On nous dit c'est le parfait moment. It's the right time for you. Et c'est le bon moment pour toi pour avancer, Scorpion. Hein? Il y a une perte émotionnelle, il y a quelque chose à quitter, à changer, mais le bonheur revient et c'est une relation toxique qui est autour de vous. Donc ça confirme mes tirages précédents. Merci pour vos retours, je me réjouis de vous lire et j'espère que j'aurai pu vous aider. À tout bientôt, au revoir.